Chers étudiants, mes chers apprenants, mes chers élèves troisième année de collège Biof, j'espère que vous êtes en bonne et parfaite santé, vous révisez bien, tout se passe bien, que ce soit en éducation islamique, en histoire géographique, en maths, en SVT, en physique, en français, en arabe. Donc tout se passe bien. Donc me revoilà. On passe aux choses sérieuses maintenant. Donc, un extrait de l'examen de la région d'Oujda, la partie restitution de connaissances. Donc, durant ces 15 jours qui nous restent pour commencer l'examen, donc je vais la consacrer pour vous, pour corriger avec vous les extraits de certains extraits d'examens régionaux de nos régions. Donc, on commence. Complétez les vides du texte ci-dessous par les termes suivants. Contractilité, excitabilité, contractibilité, fibre musculaire. Donc, le muscle squelettique est constitué de tissus qui ont la propriété de quoi? De contractilité, qui permet le mouvement. Donc, voilà le premier terme. Il est appelé muscle squelettique parce qu'il est lié au squelette. On a déjà montré ça. Vous allez trouver une capsule définissant qu'est-ce que c'est muscle squelettique dans ma chaîne. Il est constitué d'unités appelées clinuité structurale du muscle, ces fibres musculaires. Donc, lorsque je suis en train de faire ce genre d'exercice, mes chers élèves, que je vais nommer un exercice de trop, lorsque j'utilise un mot, je le barre. Comme ça, j'ai utilisé contractilité pour petit a. Il est appelé aussi muscle squelettique parce qu'il est lié au squelette. Il est constitué d'unités appelées fibres musculaires, donc je barre, j'ai utilisé ce mot-là, qui sont de longues cellules à plusieurs noyaux. Oui, on a vu ça. Ces fibres se rassemblent pour constituer des faisceaux entourés d'un tissu conjonctif. Ces faisceaux se rassemblent pour constituer le muscle qui se caractérise par la propriété de quoi? Qui veut dire la capacité de répondre aux excitants. Donc, quelle est la propriété qui signifie que le muscle, il répond aux excitants, aux stimulus? C'est l'excitabilité. Donc, c'est l'excitabilité, c'est C. Et la propriété de contractibilité qui veut dire la capacité de se contracter. Donc, ce genre d'exercice, il ne faut pas rater les notes. OK? Pas rater les points. On passe à un autre extrait d'examen régional de Marrakech, c'est ma ville natale. Donc, répondre par vrai ou faux devant les phrases du tableau suivant en mettant une croix dans la case convenable. Donc, proposition. Le tissu musculaire est constitué de cellules polynucléées, de fibres nerveuses et de fibres sanguines et de capillaires sanguins. Vrai. Au cours, pardon, l'élasticité du muscle strié squelettique est limitée. Oui, il est limité. Au cours de la contraction musculaire, l'acétylcholine est libérée par les cellules musculaires. C'est faux. La plaque motrice est une zone de contact entre deux cellules nerveuses. C'est faux.